concernant l'atelier numéro 4, l'atelier numéro 4, leadership en Afrique, formation, employabilité et insertion professionnelle. Nous aurons six communications. La première communication de Aklapa Jacob qui portera sur la lutte sur les inégalités. Le deuxième de Bawa, le troisième de Abraham, le quatrième de Badji, le cinquième de Kotra et le dernier de Kenfak. Est-ce que M. Aklapa Jacob est en ligne? S'il peut partager son écran pour sa première communication de la journée qui est la communication 91 de notre colloque. Monsieur Jacob, est-ce qu'il est là, docteur Jacob? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour le panel 16? Monsieur Bawa n'est pas là. Abraham, Bogbou, Badji Ouli, Kotra. Oui, je suis là. Bonjour. Mais, oui, oui, monsieur Kotra, allons-y. Je commence par vous. Donc. Vous avez votre communication porte sur l'exploitation du cadre entre savoirs locaux et enjeux économiques de la région du nord de Madagascar. Vous pouvez déjà partager votre écran? D'accord. OK. Nous allons. C'est bon, madame? Bon. Nous allons commencer dans cet atelier numéro 4 sur le leadership en Afrique, formation, employabilité et insertion professionnelle en Afrique. Nous allons donner tout à l'heure la parole à madame Kotra Madrissa pour sa communication sur l'exploitation du cadre entre savoirs locaux et enjeux économiques à la région du nord de Madagascar. Excusez-moi, monsieur, j'ai un petit souci technique. On a déjà fait le test sur l'ordinateur, mais là, je rencontre encore un souci technique et je vais encore régler cela. Excusez-moi. Et merci de l'opportunité que vous nous accordez pour cette présentation. Et aujourd'hui, ma communication va porter sur l'entrepreneuriat, alors les facteurs de l'engagement entrepreneurial et chez les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Lomé. Alors, très content de participer à cette initiative et de contribuer à la communauté des praticiens et tout. Il faut dire que cette recherche est le fruit de Monsieur Bawa Ibn Habib et moi, Kevin Da. Et donc, pour la circonstance, ce sera moi qui vais présenter. Alors, comme plan de présentation, c'est la méthodologie IMRET, introduction, méthodologie, résultats, discussion et conclusion. Il faut dire que depuis un certain moment, la question de l'entrepreneuriat préoccupe beaucoup de pays. Et donc, en matière d'employabilité, en matière d'insertion professionnelle, socio-professionnelle, il y a des initiatives dans plusieurs États qui sont mises en place pour encourager les jeunes justement à entreprendre. Et ça leur permettra de s'insérer professionnellement, de trouver du travail. Et donc, dans toutes ces initiatives qui sont mises en place, on remarque que malgré ce travail, il y a beaucoup de jeunes qui peinent à évoluer dans ce domaine. Et notre constat s'est appesanti sur les étudiants. Dans les universités,
au-delà des cours que les étudiants font, ils ont quand même des initiatives, que ce soit vendre des habits, faire des activités entrepreneuriales à côté des études. Alors, nous sommes partis dans la littérature pour voir comment le phénomène se présente, et que ce soit dans le domaine de l'économie, nous avons vu un peu les facteurs qui poussent les jeunes à entreprendre, comme le besoin d'indépendance, le besoin financier. Je veux entreprendre parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de m'acheter telle chose. Donc, il y a le besoin financier, il y a le besoin de réalisation de soi. Certains se lancent dans l'entrepreneuriat pour se réaliser. Et plein de facteurs qui sont énumérés dans ce domaine. En sociologie également, il y a des recherches qui ont été faites, et toujours dans le sens de l'entrepreneuriat. Et quand on revient en psychologie, également, des facteurs ont été identifiés. Alors, le but de cette recherche, c'est d'aller rechercher justement les facteurs qui poussent les jeunes à entreprendre dans notre contexte ici. Et une fois ces facteurs identifiés, et on pourra mettre en place des mesures pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat à travers ces facteurs identifiés. Alors, nous nous posons la question de savoir, ou la question fondamentale de notre recherche était d'identifier justement les facteurs de l'engagement entrepreneurial des étudiants de l'UCAO, l'UT à Lomé. Et comme question spécifique, nous disons que le besoin d'indépendance des étudiants suscite-t-il l'engagement entrepreneurial? C'est la première question. Et nous sommes demandés également si le besoin de domination incite les étudiants à l'engagement entrepreneurial. Et comme hypothèse, les facteurs psychosociaux et culturels déterminent l'engagement entrepreneurial des étudiants. Et de manière spécifique, le besoin d'indépendance suscite l'engagement entrepreneurial chez ces étudiants, et le besoin de domination également incite les étudiants à l'engagement entrepreneurial. Alors, l'objectif, c'est d'abord d'enrichir la documentation en psychologie du travail et des organisations, et au-delà de ça, faire des suggestions sur des modules de formation entrepreneuriale et proposer également des solutions dans l'approche de l'orientation des jeunes étudiants dans l'entrepreneuriat. Alors, en termes de méthodologie, le cadre d'étude était l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest de Lomé. Et notre population cible était constituée des étudiants de l'UCAO. Et la population d'étude, c'est ceux qui, les étudiants de l'UCAO qui ont un projet entrepreneurial ou qui ont déjà une activité génératrice de revenus. Et comme méthodologie de collecte, nous sommes appuyés sur l'entretien comme méthode qualitative et le questionnaire comme méthode de collecte quantitative. Et donc, le questionnaire que nous avions utilisé est adapté à notre contexte, et les résultats des qualités métrologiques s'y présentaient le monde, notamment l'alpha de Kombach, et le Z de Kolmogorov et l'indice KMO. Et pour analyser ces données, nous avions utilisé les statistiques comme méthode quantitative, et notamment la régression multiple et la régression simple. Et nous avions utilisé l'analyse de contenu pour l'analyse de nos données qualitatives issues des entretiens que nous avions menés avec nos participants. Alors, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus? Ici, le tableau 9 nous présente les résultats de la régression multiple des facteurs psychosociaux et culturels. Et là, nous voyons que le résultat du besoin d'indépendance est significatif et le besoin de domination également significatif. Alors, nous sommes allés rechercher le sens de cette significativité avec les régressions simples. Et là,
Et quand on regarde un peu le coefficient bêta au niveau du besoin d'indépendance, on voit que c'est à 0.234. Et au niveau du besoin de domination, c'est à 0.009. Donc, ce qui voudra dire que plus le score du besoin d'indépendance évolue de 1 chez un étudiant, chez un de nos participants, alors son engagement entrepreneurial va augmenter de 0,2. Et donc, au niveau du besoin de domination également, plus le besoin de domination évolue de 1, l'engagement entrepreneurial de l'étudiant également va évoluer de 0,09. Du coup, ça nous montre à quel point ces deux facteurs ont un impact significatif sur l'engagement entrepreneurial de nos participants. Et en termes de discussion, cette recherche n'est pas exempte de critiques, mais quand même, au niveau des apports, nous avons pu combiner des méthodes, deux méthodes de recherche, c'est-à-dire quantitative et qualitative. Et aussi, nous avions pu faire une adaptation de Michel. Alors, la recherche s'est juste limitée aux participants de l'Université catholique de Lomé. On aurait pu aller au-delà, pas prendre en compte tous les étudiants du Togo ou de l'Afrique, histoire de mieux comprendre encore le phénomène. Et là, ça nous amène à énumérer des perspectives de recherche plus tard. Alors, nos résultats vont dans le même sens que certains que nous avions trouvés dans la littérature, notamment Paris et Hall en 2016, qui ont trouvé... Vous avez encore 2 minutes. OK. Et en même temps, il y a d'autres recherches qui ne corroborent pas nos résultats. Alors, en termes de propositions, nous proposons à l'État de mettre en place un système d'orientation pour accompagner les jeunes, justement dans l'élaboration de leur projet entrepreneurial. Et à l'endroit des dirigeants de l'UCAO, nous leur suggérons de créer des filières de formation en entrepreneuriat parce que le besoin est là. Et aux étudiants, en fonction du besoin d'indépendance, par exemple, nous leur suggérons d'entreprendre dans un domaine qui leur permettra d'atteindre leur autonomie. Donc, en termes d'objectifs, nos objectifs sont atteints scientifiquement. Quant à ce qui concerne les objectifs d'application, ça dépendra de tous les acteurs impliqués dans cette recherche. Merci. Oui, merci, monsieur, pour cette présentation. J'ai d'abord, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question avant qu'on passe à la deuxième. Est-ce que madame est déjà prête? Madame Kotra Madrissa, votre communication est déjà prête? Monsieur Aslapka Jacob Jérôme. Monsieur Abraham Bogou. Badji Ouyi. Quelqu'un est prêt? Nous allons prendre les questions comme d'habitude à la fin de la communication. À Lomé, ça veut dire que vous êtes au Togo. Est-ce qu'au Togo, le gouvernement n'a pas créé une institution d'accompagnement des étudiants concernant leur formation entrepreneuriale? Par exemple, ici au Cameroun, nous avons le Fonds national de l'emploi qui accompagne souvent les jeunes dans la maturation et dans l'insertion socio-professionnelle. Allô, je peux y aller? Vous avez la parole. D'accord. Si entre-temps, quelqu'un est prêt pour sa communication, il peut nous interrompre à tout moment. D'accord, parfait. Alors, il faut dire que... Justement, au Togo, il y a des initiatives, et c'est ce que je ressortais dans l'introduction. Et il y a plein d'initiatives, il y a des structures même qui accompagnent. Aujourd'hui, par exemple, il y a l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, qui accompagne justement les jeunes, que ce soit dans l'insertion professionnelle en termes
d'emploi dans une entreprise ou bien si c'est pour un projet entrepreneurial. Nous allons devoir vous interrompre, Monsieur Kossi, parce aussi. Que j'ai comme l'impression que Madame Kotra est déjà. Madame Kotra, vous êtes déjà prête? Madame Kotra Madrissa, je vois déjà votre écran partagé. Est-ce que vous êtes prête? Monsieur Abkassi, Monsieur Kossi, vous pouvez continuer. Le temps qu'elle soit prête. D'accord. Monsieur Kossi, bon. Allez-y. D'accord. Donc, du coup, il faut dire que ces structures ont des manquements qui ont été ressortis. C'est parce que c'était une communication brève. Sinon, dans le document, nous avions ressorti nous avions fait des entretiens avec certains jeunes qui ont été accompagnés avec cette structure, mais ils ont soulevé que il y a toujours des manquements, ça ne va pas. Et même certains formateurs en termes d'entrepreneuriat, ils nous ont ressorti dans certains entretiens que malgré le fait qu'ils accompagnent les étudiants, malgré le fait que les jeunes viennent, on leur donne des formations et on met tout à leur disposition, ils ont l'impression comme il y a quelque chose toujours qui manque. Sinon, sur plusieurs années d'accompagnement, aujourd'hui, on aurait beaucoup de jeunes qui sont passés par ce circuit, qui ont pu installer leur entreprise et que ça marche vraiment. Donc, ça nécessite quand même un approfondissement dans ce secteur pour voir qu'est-ce qui ne va pas concrètement auprès de ces jeunes, ou bien qu'est-ce qui ne va pas concrètement dans l'écosystème entrepreneurial et de ressortir ces facteurs-là. Monsieur Kossi, nous serons obligés de vous interrompre. Madame Kotra Madrissa, c'est déjà prêt parce que nous voyons déjà votre écran partagé. Madame Madrissa Kotra Mahandrissa, Candicia. Excusez-moi d'avoir écorché le nom. L'écran est déjà partagé. Est-ce que vous, si vous êtes prête, vous avez la parole? Bon, elle n'est pas prête, monsieur. Ah. Ok, merci beaucoup. Mm-hmm. Donc, je disais que mon sujet porte sur le pouvoir, efficacité et symbolisation de la parole incantatoire dans le printemps de la liberté de Camara Nangala. Alors, mon plan est le suivant. Après l'introduction, je montre en grand 1 la méthodologie, en grand 2 les résultats à partir de l'analyse faite et puis la conclusion à l'intérieur de laquelle se trouvent les discussions. Alors, la parole ici, la parole est qualifiée d'efficace, elle est dotée d'un pouvoir parce qu'elle a la possibilité d'agir sur le monde extérieur et d'obtenir les résultats escomptés par le locuteur, celui qui parle. Donc, nous appelons ici la parole incantatoire, celle qui est faite à partir d'une incantation. Et nous notons que dans le contexte qui est le nôtre ici, la parole incantatoire, c'est la parole africaine. Alors, ceci dit en introduction, l'objectif de cette étude, c'est de rendre observable ce pouvoir dont est dotée la parole africaine, son efficacité, le processus à partir duquel elle devient un symbole. La problématique 1, en quoi consiste le pouvoir de la parole incantatoire et son efficacité? Deuxièmement, en quoi est-elle un symbole? Troisièmement, quelle en est l'importance? Au niveau de la méthodologie, nous notons que c'est une étude qualitative et s'appuie donc sur l'analyse du discours littéraire produit par l'auteur Camara Nangala. Nous avons donc exploité le corpus que nous avons choisi, donc le printemps de la liberté. Pour ce qui est de notre approche méthodologique, elle est à 3 dimensions. Il y a l'énonciation, la pragmatique et la sémantique. Alors,
Mais nos chansons, on sait déjà que selon Émile Benveniste, c'est la mise en fonctionnement du langage par un acte individuel d'utilisation. Les théories sont les théories des actes du langage telles que conçues par John Austin dans son ouvrage célèbre, dans son célèbre ouvrage intitulé « Quand Dieu se fait » de l'anglais « How to do things with words ». Alors, lorsque nous avons exploité ce corpus, nous avons compris que la parole a un pouvoir thérapeutique. Parce que dans le corpus, il y a le personnage principal qui est Pessa, qui a été atteint d'un mal mystique. Mais pour subjuguer ce mal mystique, il fallait passer par la parole incantatoire pour le guérir. Et pour le guérir, il fallait passer par un prêtre, un dépositaire de la coutume, des us et coutumes et des secrets de la nature de l'Afrique, nommé le vieillard Baba Fouguiné, grâce auquel le malade a recouvré la guérison. Donc, nous montrons ici le pouvoir thérapeutique de la parole incantatoire. Deuxièmement, nous notons le symbolisme ou la symbolisation de la parole incantatoire, c'est-à-dire le processus à partir duquel la parole devient un symbole. Et donc, la simple évocation même du nom, de son nom, c'est-à-dire être symbolique, parce que ce nom nous met en contact mystique entre les humains et le monde invisible, c'est-à-dire ce qu'on appelle à la page 285, l'ancêtre incrié. Ici, le symbole, c'est un fait culturel endogène à l'Afrique. Et nous savons que l'Afrique est un continent qui regorge de beaucoup de mystères. Nous notons donc que l'Afrique, la parole africaine, elle relève de la nature. Et donc, elle fait appel aux éléments du cosmos. Donc, elle est cosmique. Il y a la mare asséchée qui intervient dans le corpus. Il y a les crocodiles. Il y a le sang des animaux immolés qui symbolise les forces de la nature dont la présence peut être interprétée comme signe positif ou comme un signe négatif. Bon, en conclusion, rapidement, nous notons que la parole incantatoire, elle est africaine, puisque la parole est africaine. Anne Stam, dans son livre Céleste, nous le dit. Cette parole, elle est créatrice. Elle est créatrice de vie. Elle est créatrice de santé. Nous pensons donc que nous, universitaires contemporains, nous devrions réinvestir les valeurs africaines pour pouvoir, n'est-ce pas, les rendre beaucoup plus modernes aujourd'hui. Parce que la médecine moderne, par exemple, peut avoir des limites que la médecine africaine, que je n'appelle pas traditionnelle, mais la médecine africaine peut supplier. Ici, nous avons vu dans notre corpus qu'un malade n'a pu être guéri par la médecine moderne, donc la médecine occidentale, mais bien plus la médecine africaine qui a pu le guérir. Donc nous, universitaires d'aujourd'hui, nous devrions, n'est-ce pas, en plus de ce que nous apprenons dans nos universités, réinvestir l'Afrique, ce qu'on a appelé aujourd'hui les humanités classiques, à travers lesquelles nous pouvons encore découvrir d'autres mystères de l'Afrique qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à faire notre développement, notre progrès. Voici donc en substance ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, allô, je vous écoute, monsieur. C'est fini? Oui, j'ai fini. OK. Y a-t-il un autre communicant qui est prête? Madame Kotra, vous êtes prête? Ou bien on passe aux questions de monsieur Abraham? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Madame Petra. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez partager votre écran? Je n'arrive pas à partager parce qu'il y a encore une autre personne qui partage. Non, il va. Monsieur Abraham, est-ce que vous pouvez... Voilà, c'est bon. J'ai arrêté. Oui, Madame D'accord. Petra, si vous êtes prêts, vous pouvez déjà partager votre écran. Otra Mahadrissa Kandisia, j'espère que je n'ai pas écorché le nom. Ça va. Oui, partagez donc votre écran pour commencer votre communication. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette édition de colloque international
transdisciplinaire organisée par le réseau des chercheurs en Afrique. Notre présentation est intitulée « L'exploitation du CAT entre savoirs locaux et enjeux socio-économiques ». Cette présentation va se dérouler comme des étapes, suivant les étapes présentées sur la diapositive. Le choix de cet thème est né d'un constat, en fait. D'une part, nombreux parmi nous, les chercheurs, s'intéressent moins du sort de la gestion publique et encore moins des communes rurales. Pourtant, l'économie de base, notamment de Madagascar, vient des ressources dans les territoires ruraux. La décentralisation implique une prise en main par les collectivités territoriales décentralisées de leur propre développement. Pour y parvenir, chaque commune doit compter sur leurs propres ressources, que ce soit techniques, humaines, financières et matérielles. Étant une doctorante en finances locales, la question de la recherche sur le développement local nous intéresse plus particulièrement. En essayant d'identifier des ressources potentielles au sein d'une commune et de voir son apport financier et économique en vue d'une autonomisation financière. D'autre part, la partie nord de Madagascar, notamment la ville de Diego Suarez, s'assoit sur de l'or vert qui est connu sous l'appellation du CAT. La commune rurale d'Antalaka est le chef de la production du CAT. Toutefois, il se trouve que souvent, ce CAT fait l'objet d'un débat, d'une situation phénoménale. C'est pourquoi nous allons tenter d'élucider les interactions existant entre le CAT et la population autochtone du nord de Madagascar. Cet objectif principal est décliné sous forme de trois objectifs spécifiques, à savoir de montrer le rôle joué par les femmes dans ce marché, de montrer également un lien entre la population autochtone et le CAT, qui date dès la colonisation, et que ça a un impact sur la culture des générations Y. Et enfin, de montrer que le gain en termes de ristourne issu du CAT renforce l'autonomisation financière des communes. En termes de littérature, Elmi, en 1983, a évoqué la source, l'origine du CAT à Madagascar. Et il y a aussi Klein, Eckelert et Ailu a montré l'importance du CAT, non seulement dans l'économie régionale, en assiette fiscale, mais aussi auprès des ménages. Ce propos est appuyé par Lisa Gaison en 2012, en affirmant que malgré les critiques à l'endroit du CAT, il reste une culture facilement à entretenir alors qu'il produit un rendement plus élevé que la culture de légumes et de riz. De ce fait, les agriculteurs préfèrent se focaliser sur le CAT. Néanmoins, Touwen et ses co-auteurs en 2021 insistent sur leurs articles que la consommation du CAT expose le sujet à des effets néfastes pour la santé. En termes de méthodologie, notre zone d'étude est la commune rurale d'Antalak, qui est le chef de la production du CAT, et la commune urbaine de Diego Suarez à Madagascar. Nous avons adopté l'approche positiviste en faisant cette étude. Nous avons eu comme échantillonnage 45 observations et 14 variables. Et la collecte des données a emprunté différentes méthodes selon la cible, comme une observation participante au niveau de point de vente. Et comme méthodologie de traitement de données, nous avons utilisé le logiciel RStudio et le tableau croisé dynamique. D'après les résultats, nous avons trouvé qu'il y a différentes façons d'appeler le CAT, que ce soit nom scientifique ou appellation locale, avec différentes variétés selon la technique de cueillette. Après le CAT, Yazine est le terme le plus utilisé par la population locale. Secondo, la place des femmes
au sein du marché du CAT. Les femmes jouent un rôle très important dans le marché du CAT, que ce soit en tant que vendeuse ou consommatrice. En tant que vendeuse, il nous a été rapporté qu'il est plus facile pour elles de vendre ces CAT car elles utilisent d'autres techniques de vente, car la majorité sont des anciennes ou prostituées en exercice. De l'autre côté, en tant que consommatrices, elles sont classées bons payeurs et clients fidèles. Tertio, en termes de recouvrement, nous avons demandé au maire de la commune rurale d'Antalac et il se trouve que la commune préfère recouvrer les ristournes que les impôts fonciers. Après l'analyse de leur compte administratif durant ces trois dernières années, nous pouvons constater que la majorité de la recette propre de la commune est constituée par des ristournes et que la commune arrive à mieux recouvrer les ristournes que les impôts fonciers. Donc, le CAT constitue une source de revenus capitale au niveau des communes. Et enfin, nous avons cherché à comprendre la motivation de la consommation du CAT auprès de la population. À la suite de l'enquête que nous avons effectuée, il a été rapporté que 51% des consommateurs ont affirmé que la raison de la consommation du CAT fait partie d'une culture et de distraction. Donc, la consommation du CAT est une tradition culturelle omniprésente au sein de la société du Nord malgache. Certes, il y a bon nombre d'avantages apporté par le CAT en termes de l'autonomie financière de la commune, la préservation de la culture, un effet de concentration optimale pour les consommateurs, mais il existe des inconvénients, tant en termes sociaux, comme la délinquance juvénile, le tarissement d'eau, puisque le CAT consomme beaucoup d'eau, et aussi sanitaire, comme le risque d'une maladie cardiovasculaire et un trouble érectile chez les hommes. En guise de conclusion, nos objectifs ont été atteints sur cette étude. Certes, on n'a pas pu voir d'autres onglets, mais vu le temps imparti, nous avons quand même pu atteindre nos objectifs. Nous pouvons dire que le CAT apporte un gain financier et social pour la population et c'est partagé par plusieurs auteurs. Toutefois, il existe des inconvénients, notamment sur un risque élevé de mécontentement en cas d'obstruction à la vente du CAT. Mais les adeptes sont ouverts à une proposition de réglementation plus stricte de la vente du CAT. Par conséquent, nous recommandons l'application d'une sanction en cas de non-respect de l'engagement du vendeur sur la propriété de la ville. Cette recommandation va à l'endroit de la commune, que ce soit commune rurale d'Antalac ou commune urbaine de Décosfiarès. Et la deuxième recommandation, c'est d'augmenter le tarif de ristourne auprès de communes également, afin d'optimiser les gains, mais aussi réduire indirectement la clientèle, comme les jeunes sans emploi. C'est ainsi que s'achève ma présentation. Je reste à votre disposition pour des éventuelles remarques ou questions. Merci. Merci, Madame Kotra, pour votre communication. Est-ce que Monsieur Abraham est prêt pour sa communication? Monsieur Jacob Akobi, est-ce qu'il est prêt pour sa communication? Tout à l'heure, il avait des difficultés, il avait partagé son écran. Il ne parvenait pas à prendre la parole. Cette présentation est la présentation générale. En introduction, constat 1, le rapport des États-Unis sur le droit de la femme accorde une importance particulière à la promotion de la participation politique du leadership féminin et son indépendance économique comme objectif central de l'organisation féminine ONU 2011. Constat 2, cette dernière inclut l'expansion des droits, des ressources et la capacité des femmes à prendre des décisions et agir de façon indépendante au sein des sphères sociales, politiques et économiques. Constat 3, en Côte d'Ivoire, notre terrain d'étude, la ratification des conventions internationales, régionales et les dispositions formelles proclamant l'égalité en droit et en dignité des droits des femmes inscrit celle-ci parmi les pays
qui manifeste une volonté de promouvoir le principe d'égalité entre hommes et femmes. Constat 4. La Constitution des Jeux 2000 en Côte d'Ivoire, en son article 3, interdit toute forme de torture et de violence physique et morale, de mutilation et d'abusement à l'égard des femmes. Constat 5. Au plan institutionnel, une direction chargée de l'égalité et de la promotion du genre existe et la prise de conscience croissante à l'échelle de la communauté internationale des droits de la femme en termes de développement, montrant qu'une politique de développement ne peut réussir si les femmes et les ressources qu'elles présentent sont intégrées dans un processus de développement. Drama 2015. Constat 6, au plan empirique, les implications de l'action des femmes laissent suggérer au plan socio-économique et politique une détermination féminine pour une relation significative au niveau institutionnel. Le constat 7. Les conclusions d'une étude sur la promotion du genre montrent que 5% des femmes en Côte d'Ivoire ont accès à la politique foncière en Côte d'Ivoire, alors qu'elles sont responsables de 75% de la production alimentaire de base. Sur 6% des filles jeunes accèdent à l'enseignement supérieur, 23% pour le secondaire, seulement 27% des femmes entreprennent. Constat 8. Sur cette base, les données statistiques indiquent l'écart qui est suscité entre les dispositions formelles à propos du droit de la femme et la situation sociale réelle des femmes. Programme de recherche. Toutefois, l'on note le franchissement d'une ligne de démarcation sociale, économique ou politique par une catégorie féminine en dépit des relations femmes-hommes, marquée par une domination masculine autant dans les sphères politiques et privées. La question qui guide cette étude est la suivante. Quelles sont les logiques sociales de la position de l'autorité féminine? L'étude est d'analyser les références idéologiques de la constitution de l'autonomisation de la femme dans le district d'Abidjan. En étude spécifique 1, nous voulons indiquer au plan économique que les associations des femmes en coopérative valorisent la lutte contre la disparité économique. En étude spécifique 2, nous voulons identifier la participation de la femme aux activités communautaires dans le règlement des conflits, la promotion des formes d'expression et de prise de décision. En étude spécifique 3, nous voulons présenter au plan éducatif l'égalité de sexe entre hommes et femmes, l'équité de l'éducation pour toute protection de la femme contre certaines politiques culturelles. En étude spécifique 4, nous voulons mentionner au plan religieux la forte participation des femmes dans l'équité religieuse. La méthodologie de cette étude, nous avons comme site et participant de l'enquête, nous avons la ville d'Abidjan. L'étude s'est réalisée du 10 janvier 2023 au 7 février 2023 inclus, auprès d'une vingtaine de personnes. Il s'agit en outre des présidents de l'association des mutuelles de développement, les présidents des ONG, les présidents des coopératives économiques. Méthodologie, des outils devraient être donnés ont été en outre l'analyse documentaire et l'entretien semi-directif ou structuré. Au niveau des travaux donnés, nous avons opté pour la méthode dialectique et l'individualisme méthodologique de Karl Popper. Les résultats, ici, nous avons d'abord comme résultat la lutte contre les disparités économiques par la création des associations de femmes en coopérative. L'analyse du corpus montre que les actions des femmes dans le processus d'acquisition et de construction d'une autonomie économique se lient à travers les prismes, si après, une prise de conscience et l'engagement par les acteurs. Résultat 2, l'engagement féminin comme affirmation d'une volonté irréversible. Nous avons l'indépendance financière par la lutte contre la pauvreté. Des propos de l'ensemble des femmes interrogées que le concept d'autonomisation féminine met en évidence une synergie d'action basée sur l'encadrement des femmes par l'éducation, la création d'activités génératrices de revenus, d'entreprises, tout au développement de la culture et des pays. Au résultat, nous avons une prise de conscience comme élément de répartition des rôles. Le salut de la femme est culturellement enraciné et traduit la perception longtemps admise des femmes au foyer. Cependant,
cette tendance tend de plus en plus à s'inverser au sein d'une catégorie féminine. En effet, une telle interprétation est à une redéfinition du statut de la femme et de son rôle vis-à-vis de l'homme. Ainsi, de nombreux paradigmes sont véhiculés, complémentarité plus égalité de sexe. Nous avons également ici comme résultat la participation de la femme aux affaires politiques entre perception et réalité. L'obtention de l'emploi et plus précisément d'un poste de responsabilité ne manque pas d'avoir un impact sur les tâches de l'épouse et de la mère, telles que patriarcalement rattachées à la femme. Résultat, la participation de la femme aux affaires publiques entre perception et réalité. À la nécessité du changement observé dans la perception des acteurs, même si la nécessité de concilier entre les deux tendances, famille et activité professionnelle, est uniquement rattachée aux femmes et les imposée par le système social. Nous avons les représentativités des femmes au niveau macro et méso, des efforts d'implication en état d'éveil dans la gouvernance démocratique. Nous avons l'implication des structures sociales comme promotion des valeurs démocratiques. La participation des femmes au niveau macro, nous parlons micro, rôle intégrateur à la résolution des conflits, leadership religieux féminin, une affirmation de plus en plus importante. La vision des résultats. Les résultats ici présentés rendent compte des logiques sociales de l'autonomisation des femmes. Ils sont explicitement perçus à travers l'engagement des femmes dans les différentes sphères de la vie sociale, en vue de légitimer leur engagement. Irrévocabilité, elle se réfère aux productions de la prise de conscience et de l'engagement et des responsabilités liées à la synergie d'action basée sur l'encadrement des femmes à l'éducation, la formation et l'accompagnement financier. Au niveau de la volonté interne, nous avons une corrélation entre les questions de recherche, les études de recherche et les résultats. Au niveau de la volonté externe, les résultats de la première étude corroborent ou concorde avec les travaux de Lissino 2007, de Bonadi et de Ruscio 1999. Merci pour votre attention. Merci, docteur, pour votre brillante intervention. Nous avons encore deux communications qui ne sont pas à jour. Monsieur Baji Ouyi et Monsieur Kenfak Zefak Jires, est-ce que les deux sont en ligne? Monsieur Kenfak, vous êtes en ligne? Monsieur Baji Ouyi, vous êtes en ligne? Il nous reste 25 minutes. S'il n'y a pas de questions, nous attendons donc vos réactions par rapport aux quatre communications que nous venons d'avoir. Oui, je vois M. Benjamin Soro. Benjamin Soro, vous avez la parole. Allez-y. Okay, bonjour, chers modérateurs et chers participants. Je me suis connecté avec quelques défis au dernier moment et j'ai voulu me rassurer que les communications qui passent actuellement sont dans la fourchette, sont du panel 17 où je dois communiquer et dans la fourchette de 10h30 à 12h. J'ai le décalage horaire, les deux soucis de connexion, je voulais me situer. Nous sommes dans l'ABC. Merci beaucoup. Cher docteur, de me passer la parole. Alors, j'ai à mon actif six communications. La première, elle est du docteur Soumaïla Fofana. La deuxième, Mfouapor Alassa. La troisième, Soulama Kamia. Soro Donosongi. La suivante sera de Abel Bougouma. Nous passerons après lui à Armand Didier Mbong-Diom. Et puis, nous finirons par Kone Yu Marie Lucie. Alors, je m'en vais donc
donne la parole à Soumaïla Fofana. Il est enseignant-chercheur assistant de l'enseignement supérieur à l'École normale supérieure d'Abidjan. Il a fait ses études supérieures à l'unité de formation et de recherche en information, communication et art. Il va intervenir sur le pain traditionnel Rafia, à Pays d'Ida et Goudier, expression cosmogonique ou vision symbolique. Alors, je vais lui donner donc 10 minutes pour présenter la substance de son travail. Après cela, nous passerons aux autres panélistes. Alors, Fofana, s'il est là, si docteur Fofana est là, je lui passe la parole. Oui, oui, on vous entend. Merci aux organisateurs de ce panel. Merci. Expression cosmologique. Je ferai une communication ce matin sur le pain traditionnel Rafia en pays d'Ida et Goudier. Expression cosmogonique et vision symbolique. Bien. En introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot pain est dérivé de l'espagnol paño et du latin panus, qui signifie morceau d'étoffe. C'est un événement que l'on met sur le corps pour le protéger des intempéries du regard de l'autre. Il découle du latin vestimentum, dérivé du verbe vestir, qui a le même sens que le mot français vêtir. Ce mot vient du latin vestio et synonyme d'habiller, selon Guémar. Je ne pourrais pas m'étaler vraiment sur toute l'introduction, je vais aller directement aux différentes interrogations vraiment qui ont suscité ce travail-là. Bien. Voilà. Donc, la première interrogation, le pain traditionnel Rafia constitue-t-il un canal efficace de communication de la culture d'Ida et Goudier? Quels sont les messages véhiculés par ce support de communication? Voilà. Les dessins ou motifs qui y figurent sont-ils en relation avec la vision du monde de ces peuples? Ce faisceau de questions telles qu'articulées constitue la problématique de cette étude. Alors, pour traiter le sujet relatif au pain traditionnel Rafia en pays d'Ida et Goudier, expression cosmogonique ou vision symbolique, des recherches et analyses documentaires ont été effectuées pour collecter le maximum d'informations. En plus de recherches documentaires, voilà, nous avons visité des tisserands, des autorités traditionnelles et des acteurs exerçant dans le domaine de l'artisanat. Cette démarche induit une méthode d'investigation avec un corollaire d'observation directe et indirecte. Pour une meilleure approche de cette étude, notre objectif est de contribuer à la revalorisation du patrimoine culturel et à la préservation ou à la consolidation de l'identité nationale. Il s'agit pour nous de faire nos indications tout en signifiant à nos lecteurs que dans toutes les représentations graphiques perceptibles sur le pain Rafia, les didactes boudiers ont élaboré des signes et des formes symboliques qui caractérisent la différence culturelle. Ainsi, dans le souci de mener à bien cette étude, trois axes ont été identifiés, à savoir sens et signification de l'esthétique du pain Rafia chez les Ida et Goudier, analyse générale du pain et de son effet esthétique, réflexion sur les symboles et esthétiques dans le pain Rafia. Dans un premier temps, comme je l'ai si bien signifié dans les différents axes, nous avons le sens et signification de l'esthétique du pain Rafia chez les Ida et Goudier. Voilà. En 1.1, origine mythologique du pain de Rafia et la cosmogonie d'Ida et Goudier. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ce pain est lié à un mythe. Voilà. Au cours de nos différentes recherches, nous avons approché un certain nombre de tisserands, comme je l'ai si bien dit. Voilà. Nous avons eu à échanger en long et en large avec
M. Dalé Abel Dapouri, qui est l'un des détenteurs de la culture du pain Dida et Koudi. Il est d'ailleurs spécialiste du pain Rafia. Voilà. Donc, ce dernier nous a fait savoir que l'histoire de ce pain est liée au fait que une jeune fille ayant été victime de certaines discriminations de la part de sa nouvelle mère, elle a eu par la suite le secret, je dirais, de la confection de ce pain grâce à sa mère qui lui a transmis cette connaissance-là en sorte. Donc, c'est par la suite que cette demoiselle a eu vraiment à s'initier, vraiment à confectionner ce type de pain. Voilà, donc je pense que l'histoire est là, je ne peux pas le dire, parce que vraiment il est assez long. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à l'analyse, nous percevons que le pain Rafia apparaît comme une forme de révolution vestimentaire qui met en exergue la culture ancestrale. Voici quelques images que je vous présente ici. Nous avons d'abord la famille Rafia, qui est le végétal de la plante à partir de laquelle provient les fibres de Rafia. Il y a une autre image qui présente également les fibres de Rafia. Je vois ici. À partir des fibres de Rafia, nous avons des produits. Ici, voilà, on a un pain Rafia. Voilà, ça, c'est le pain authentique que vous voyez à gauche là. Voilà, c'est le pain authentique, c'est le pain qui a été conçu à la main. Voilà, on n'a pas eu recours à un métier à tisser pour concevoir ces deux types de pain. À côté, nous avons une jupe qui a été conçue également grâce à ce pain. Voilà. Qu'en est-il cependant de l'esthétique du pain traditionnel Rafia? Voilà. En 1.2, esthétique du pain traditionnel Rafia. Avant toute étude sur une société, il serait juste de percer l'univers esthétique de cette société et d'essayer de le saisir dans ce qu'il peut avoir à la fois de riche et de fondamentalement lié aux autres aspects de la vie. Pour elle, un objet ne peut être étudié sans la connaissance préalable de la société dont il tire son projet. Cela sera donc l'occasion pour nous de savoir ce que représente l'objet, voilà, les symboles qu'il contient, les croyances dont il dont ils sont le support, les mythes qu'ils évoquent, comme la texte des langes. Donc, par la suite, nous avons en un point, bon, par la suite, j'ai essayé de faire une étude sur la situation, sur les différentes zones où sont localisées les Dida et Moudier. Voilà. Je demande votre indulgence parce que je ne pourrais pas expliquer ces différentes parties-là compte tenu du temps. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, très rapidement, de façon succincte, ce qu'il faut retenir, c'est que les Dodiers sont localisés dans la zone de Fresco, Fresco qui est à 75 km de Grand Lao. Ils sont également localisés à Dalo, à Lakota, à Sassandra et à Digo. Maintenant, quant aux Dida, ils sont localisés dans la zone de Divo, Divo qui constitue en quelque sorte leur capitale, Divo et Lakota qui constituent en quelque sorte, vraiment, je dirais, les capitales vraiment de. Les Dida. Voilà. Nous avons également les Dida dans la zone de Biti, Zibiso, Deyo, Lozoa, Yokomui, Grand Laou et Jacques. Voilà. Ils sont arrivés dans ces différentes zones à cause de leurs différentes activités, notamment la pêche, la chasse et la cueillette. Voilà. Donc, voici les différentes activités qui ont poussé ces différents peuples-là à occuper ces zones-là. Voilà. Dans le pays d'Ida et Bodie, le pain traditionnel en Rafia est appelé Nigbo le Poué. Les dénominations Nigbo-le-Poué, bon, si on veut aller par syllabe, voilà, je dirais que chacune des syllabes a une signification. Alors, en effet, le préfixe Nigbé, qui vient de Nigbé, qui signifie Rafia, et de Lopoué, qui sert à désigner le pain. C'est qui donne Nigbo-le-Poué. Voilà, c'est-à-dire simplement le pain en Rafia. Il est inspiré de la panthère. Voilà, le pain que je viens de vous présenter tout à l'heure est un pain symbolique. Quand nous décortiquons, lorsque nous voulons faire une analyse symbolique de ce pain, nous allons nous rendre compte que ce pain est dominé en partie par la stylisation du pelage de la panthère. Voilà, donc je dirais que la panthère est un animal symbolique de ces deux peuples-là, que sont les Dida et les Bodi. Voilà, donc, quand on observe ce pain-là, vraiment, il est inspiré, comme je l'ai dit, voilà, de cet animal-là. Donc, selon Nieto, il nous a fait savoir au cours de nos différentes recherches, voilà,
que ce paille servait par le passé au camouflage des populations locales pour justement éviter les attaques des bêtes féroces. Il pullulait alors, alors dans les différentes forêts. Voilà. Donc, dans la deuxième partie de notre travail, nous avons fait une analyse générale du paille et de son effet esthétique. Dans un premier temps, nous avons mené une petite étude sur la production véritable de cet objet matériel. Il s'agit bien évidemment de du paille. Voilà, l'histoire de cet étang serait liée à celle du peuple dans la quête d'un monde d'accouplement adapté à son environnement. Ces étangs doivent être certainement leur existence à l'abondance du raffia dans la région. Cependant, quel est le processus de fabrication du pain de raffia? Voilà, donc là encore, il y a des images pour appuyer un peu les différentes explications que j'aurais à donner. En effet, le raffia est un monde d'origine malgache, un genre de palmier de la famille des Arecaceae. Il se trouve dans les zones marécageuses, près des bas-fonds et en majorité près des rivières. Voici quelques images ici que je vous présente. Quelques images du raffia. Voilà. C'est précisément le rameau de raffia qui entre dans l'obtention du fil pour la fabrication du paille. Le terme raffia définit à la fois le palmier et la fibre qui en est extraite. Il est une fibre végétale utilisée de diverses manières. Voici les rameaux que je vous présente ici en phase de séchage. Comment obtient-on alors le fil de raffia? L'obtention est là encore avec des images pour appuyer un peu ces différentes explications. Après avoir coupé les rameaux de la FIA, il faut tirer le fil. Ici un peu, les différentes images. Voilà, vous aurez l'occasion de constater. Voilà, comment se fait le tissage du raffia? Le tissage du raffia, comme je l'avais si bien dit, le tissage du raffia se fait de deux manières. Voilà, il y a la manière authentique, la manière qui nous a été véritablement enseignée par les ancêtres en pays d'Ida et Gaudier. Voilà, cette manière consiste pour l'artisan de travailler uniquement qu'avec la main. Voilà, là, comme ça, il ne se réfère pas au métier à tisser. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, bon, avec la révolution industrielle, voilà, certains vraiment utilisent les pratiques encore plus modernes pour réaliser ce genre de paille. Voilà. Mais dans cette contrée-là, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à ce jour, il y a ce paille authentique qui existe. Pour le concevoir, il peut prendre peut-être 2 à 3 mois, parce que tout se fait à la main. Donc, voici les différentes explications que j'ai essayé de donner ici. Voilà. En Afrique, ce qu'il faut comprendre également, c'est que rien ne se fait au hasard. Voilà. Donc, je pense que l'argument de Marcel Griot vient pour appuyer un peu l'idée que je voulais avancer. Même le mouvement du tissage, tous ces différents mouvements, c'est pas et bien du tissage, en une valeur symbolique. Bien. Je vais poursuivre mon intervention. Voilà, voici quelques images de la fabrication de ce paille à l'aide du métier à tisser. Voilà. Voilà également la teinture du paille. Voilà, voici quelques images de la teinture. Si vous me le permettez, je ne pourrais pas trop m'étaler sur ça. Maintenant, en dernière partie, nous allons mener des réflexions sur les symboles et l'esthétique dans le paille. Raffia. Voilà. Premièrement, j'ai fait une approche idéologique, esthétique dans le paille, masculinité et unicité. Voilà. Vous allez vous rendre compte que quand on observe ce paille de façon minutieuse, il regorge un certain nombre de symboles. À côté de ces symboles, nous avons également des couleurs qui sont utilisées. Il s'agit notamment de la couleur jaune, de la couleur rouge et de la couleur noire. Tous ces différents éléments ont une valeur symbolique. Parce que le noir, il ne fait rien au hasard. Donc, au cours de nos différentes enquêtes, nous sommes rendus compte que ces différents éléments ont une signification. Il ne nous reste plus assez de temps. Donc, si vous me le permettez, je pense qu'il me reste 1 minute, quelques secondes. Voilà. Donc, je vais aller directement avec la conclusion. Voici les différentes images. Voici le panier proprement dit, savamment conçu par nos artisans, par nos braves dames. Voilà. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le paille raffia apparaît comme un moyen d'expression culturelle réunissant les us et coutumes, croyances et traditions. La confection est minutieuse et nécessite beaucoup de temps et de patience.
Je crois indépendamment de l'usage qu'on en fait, constitue l'identité culturelle du peuple d'Ida et Kodi. Toutefois, sa création reste encore artisanale et permet de perpétuer les valeurs ancestrales et l'héritage. Au demeurant, je profite de cette occasion pour exhorter les uns et les autres à pérenniser son patrimoine culturel qui tend à disparaître au profit des failles qu'on suit dans nos industries textiles modernes. J'en ai fini, je suis sûr, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Somaïla. Merci pour votre brillante intervention. Alors, nous allons passer au deuxième communicant, s'il est là, Nfoipon Alassa, le docteur en géographie de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Alors, il va intervenir sur l'appropriation spatiale alougienne en contexte de dévitalisation territoriale au sein du canton Abo, c'est-à-dire Ngo territorial au Cameroun. Alors, il est là? Oui, allô? Oui, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. J'ai voulu partager d'abord ma diaporama, mais bon, je ne sais pas le faire. Je vais faire la synthèse de mes propos. Vous le permettez? D'accord. Voilà. Donc, mon travail sera organisé autour de 5 points. Il s'agit d'abord de présenter le thème, ensuite le contexte de l'étude, la méthodologie, les résultats, les conclusions, et je vais terminer par les perspectives. Donc, comme vous l'avez évoqué au début, mes travaux portent sur l'appropriation spatiale halogène en contexte de dévitalisation territoriale au sein du canton Abo. Ça, c'est dans le département du Mougo, dans la région du littoral au Cameroun. Alors, dans le contexte, nous voulons simplement rappeler que la problématique de la dévitalisation territoriale se pose avec acuité dans le canton Abo, c'est-à-dire que l'on connaît de plus en plus une diminution progressive et quelquefois rapide de l'activité socio-économique dans cette entité territoriale, avec les effets qui se font ressentir au niveau de la démographie, de l'occupation du sol, de la qualité et de la vitesse de production de l'habitat. De même que au niveau de la qualité de l'infrastructure des services communautaire. Donc, à la faveur de la crise sociopolitique qui malheureusement affecte la partie anglophone du Cameroun, la dévitalisation s'amplifie, surtout avec concomitamment l'épuisement des stratégies endogènes de résilience face au désengagement de l'État du Cameroun, des filières agro-pastorales et névralgiques du monde rural. Donc, à cette faveur-là, nous avons constaté que de nouveaux acteurs territoriaux ont, depuis lors, fait irruption dans le canton Abo. Donc, malgré une réticence autochtone vis-à-vis de la communauté migrante, on assiste progressivement à une sédentarisation qui est en fait le fruit d'une appropriation spatiale basée sur des stratégies individuelles et collectives des communautés migrantes. Notre zone d'étude est située à mi-chemin entre le département du Fouri, dans la région du littoral, et ce que nous appelons ici localement la région du Mungo Nord. Sur le plan méthodologique, nous avons opté pour une approche méthodologique qui s'est voulue mixte, c'est-à-dire que nous avons combiné l'approche hypothético-déductive et l'approche d'aide multicritère à la décision. Pour le faire, nous avons retenu un échantillon de
281 individus effectivement intéressés et représentant chacun un ménage rural ou jouant un rôle dans le développement rural au sein du canton Abon. La fiche de questionnaire pour chaque personne retenue dans le cadre de notre enquête était structurée autour des questions ouvertes et fermées. Les questions ont porté essentiellement sur les variables quantitatives et qualitatives relatives à des indicateurs de la population spatiale, aux facteurs de dévitalisation socio-territoriale du site. Et également, une autre partie s'est focalisée sur les stratégies de revitalisation pour relancer le développement territorial. Nous n'avons pas oublié de questionner la perception endogène de la dévitalisation. Et sur la base des guides d'entretien, parce qu'il fallait compléter ces questionnaires, nous avons rencontré des personnes ressources constituées des chefs de bloc, des chefs de quartier et le responsable des levées topographiques au sein de l'arrondissement de Fico, auquel appartient le canton Abon. Des propriétaires fonciers, autant pour moi, et des élites extérieures ont également été approchés. Donc, de ce qui précède, nous allons faire que la synthèse des résultats. Il se dégage que le canton Abon a aujourd'hui 3 types de villages en fonction de l'origine de ses habitants. Il s'agit d'abord des villages à dominante native, c'est-à-dire des populations autochtones. Et là, nous avons particulièrement Kaké Village, Mankoulan, Mayenne et Ndoulou. Nous avons ensuite des villages à dominante migrante. Il s'agit surtout des villages situés sur l'axe routier numéro 5 qui relie Bafoussam à Douala. Il s'agit surtout des villages comme Malekè, Souza et un village beaucoup plus reculé qu'on appelle Koki. À côté de ces 2 types de villages, le troisième village, qui est le type de village qui est mixte, c'est-à-dire avec une population équilibrée en termes, si on se réfère à leur origine, c'est Miang et Mangamba. L'autre élément que nous avons identifié dans notre zone d'étude, c'est surtout les facteurs majeurs de l'animation du monde rural. Ici, les facteurs majeurs sont aujourd'hui en panne. Les quelques indicateurs de la réalité de cette dévitalisation sont connus. Là, par exemple, le centre postal d'Abon Nord, qui est aujourd'hui abandonné, les postes agricoles, les villages, parce qu'il y a au sein du canton Abon, pratiquement 17 villages. 16 de ces 17 villages ont des postes agricoles totalement fermés et en état de délabrement avancé. Aussi, depuis 2016, on a constaté que le réseau ferroviaire qui desservait et faisait la fierté des résidents est aujourd'hui carrément abandonné. Donc, vous comprenez la réalité de la dévitalisation qui est en cours au sein du canton Abon. Également, je voudrais rappeler qu'en dehors des facteurs de la dévitalisation identifiés par Vachon en 2011, Bruno Jean en 2006 et en 2011, Dugas Clermont déjà en 1991 dans le contexte de l'Amérique du Nord. Il faut rappeler que nous, j'espère que vous me suivez. Allô? Allô? Oui, très bien, docteur. D'accord, merci. Alors, je rappelais que
En dehors des facteurs de la dévitalisation identifiés dans le contexte de l'Amérique du Nord par Vachon, Bruno, Dugas, Clément, nous avons également, au sein du canton Abord, constaté que l'exode massif des jeunes campagnards, la turbulence environnementale liée à la dégradation progressive, mais surtout l'abandon du rôle régalien des élus locaux dans le cadre du développement local sont des véritables facteurs d'amplification de la déconstruction territoriale au sein du canton Abord. Un autre élément qui nous a beaucoup marqué, c'est surtout les formes d'appropriation spatiale. Donc ici, on a identifié deux types de stratégies d'appropriation spatiale. Chez les allogènes, il s'agit régulièrement d'organiser des campagnes, de faire des affichettes pour avertir les potentiels acquéreurs des lopins fonciers, en rappelant quelquefois que les terres des villages du canton Abord ne sont pas à vendre. Sauf que, de l'autre côté, les populations exogènes continuent d'acheter ces domaines qui, pourtant, sont quelquefois considérés comme inaliénables. Donc, chez les exogènes, on note surtout des stratégies qui consistent à occuper les maisons partiellement construites. Donc, vous voyez que pour ne pas se retrouver le lendemain dans un système où le domaine est cédé à un autre acquéreur, parce que ici on connaît malheureusement la politique de plusieurs, de multiples ventes. On assiste à l'occupation avant l'achèvement des chantiers. Donc, de ce qui précède, nous pouvons en conclusion dire que plusieurs indicateurs naturels, socio-économiques et culturels confirment la réalité de la dévitalisation progressive au sein du canton Abord, comme dans les autres zones rurales du Cameroun. Ces facteurs d'amplification de la dévitalisation territoriale incluent, entre autres, l'attractivité dominante des villes de Mpanga, de Bonaberry, de Douala, mais également l'absence de l'offre dans les services TIC, inexistence de projets structurants susceptibles de stabiliser les ruraux et une main-d'œuvre non agricole. Nous pouvons mentionner également le caractère non fonctionnel des services de proximité tels que les services déconcentrés du Minepia, du Minader, qui sont en fait les bras séculiers de l'administration dans le milieu rural. Donc, pour terminer, en dépit de la réticence endogène vis-à-vis de la sédentarisation allogène, nous voulons rappeler que l'appropriation spatiale se poursuivra silencieusement au sein du canton Abord et est de plus en plus l'œuvre des communautés migrantes. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, docteur Poupon Alassa, pour votre intervention. Alors, chers participants, le docteur, en début de communication, a dit qu'il n'avait pas prêté son slide. C'est pour cela qu'il n'a pas partagé son écran. Nous allons passer à Soulama Kamia et Soro Dounasongi Benjamin. Je vais vous passer la parole. Vous êtes là? Si vous permettez, je n'ai pas partagé parce que j'ai eu quelques soucis de connexion et c'est pour ça que... Oui, j'ai compris. Nous passons au prochain communicant, Soro Dounasongi et Soulama Kamia. Vous êtes là? Oui, d'accord. Nous sommes là. Est-ce que vous nous recevez?
Oui, je vous reçois. D'accord. Vous pouvez nous partager votre écran? Oui, ce que je vais faire avec les défis. Vous coupez la vidéo, vous coupez la vidéo et puis vous partagez votre écran. D'accord. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager votre écran? Oui. Vous voyez mon écran? Abel? Abel? Oui. Allô? Abel? Oui, je vois votre écran. Oui, je vous reçois. Okay. Allez-y, Abel. Je vois votre écran. OK. Allez-y. OK. Merci de la parole. Monsieur le modérateur, chers internautes, bonjour, je suis Bouma Abel, doctorat en sciences du langage de l'Université Joseph-Diderot. Votre communication a pour titre Le français parlé dans le cinéma burkinabé, création ou modification chronologique, cas de la série commissariat de parti. Notre exposé s'articule autour des points suivants. Un constat, une problématique, des hypothèses, des objectifs, un cadre théorique et méthodologique, des résultats et une conclusion. Parlant du constat, dirons qu'avec son répertoire linguistique très abondant, l'usage des codes linguistiques demeure une préoccupation majeure pour certains usagers du scénario. Dans la création artistique, la problématique du choix de la langue se présente à travers le discours des personnages, le phénomène de transformation de certains phonèmes du français se fait aussi remarquer. Donc, question de recherche sont les suivantes. Comment le français est-il parlé par les personnages acteurs dans la série? Quels sont les procédés linguistiques utilisés par les personnages acteurs dans leur création ou modification chronologique dans cette série? Nous notons que la série est composée de trois saisons, dont la première est réalisée en 2006 et compte 21 épisodes. La seconde, en 2008 avec 31 épisodes et la dernière en 2012 avec 26 épisodes. Chaque épisode a une durée de 30 minutes et fait un thème particulier. Pour répondre à ces questions, nous formulons les hypothèses suivantes. La langue française serait la deuxième manière à l'expression à faire du corpus. Dans la série commissariat de Paris, les personnages acteurs modifieraient certains de la langue française dans la production de discours selon trois procédures. Nous avons la substitution, la suppression et l'insertion des syllabes. Alors, l'objectif de notre recherche a pour objectif de montrer comment les personnages acteurs de création de modification pour le français par vous. Pour cette quant à la théorie, nous avons associé celle-ci. La méthode à observer la série et à transcrire littéralement les opérations des personnages. La suite a consisté à examiner le français parlé dans cette série et à les paralyser. En résultat, nous disons que ces personnages, que le français parlé par les personnages acteurs de la série sont procédés par la substitution de syllabes. À l'époque, nous
te passe. Oui, bon. Vous avancez, juste. D'accord. Bien, D'accord. Est-ce que Soulama, Kamia et Soro de nos sangis sont prêts? Oui. Allô, docteur Soro? Vous me recevez? Est-ce que vous pouvez communiquer maintenant? Oui. Ah, attendez, il y a l'autre qui revient. Abel revient. D'accord. Abel, vous êtes là, docteur, doctorant Abel. Allô, Boukma? Il a des difficultés pour communiquer. Boukma Abel, vous m'entendez? Je ne l'entends pas du tout. Allô, monsieur Abel Boukma? Bon. Ok. Allô? Allô? Et au niveau de l'insertion de cela, vraiment, je répète, le mot glacé redevient galaxie. Le son a été inséré. Là, la paradoxe ou le système. Le moi devient moi avec une succession du son I. Enfin, comme résultat, nous avons l'alternance de co-pérusie. Avec, pour exemple, rester là, happy birthday, sur nous. Nous avons le français qui est alterné par l'anglais. En conclusion, bien pour l'heure de cette réflexion, il est à noter que la série considérée de papier de l'Ista et lieu s'inscrit du parler quotidien de Rukulabin. Certains personnages acteurs modifient quelquefois même de la langue française dans leur production de discours. Pour le cinéaste, l'usage de ce processus de modification chronologique dans sa création artistique est une manière de produire des effets humoristiques commis tous ici. La langue est un véhicule qui convient pour l'expression de la culture. L'utilisation de l'alternance comique est pour ce cinéaste une manière de marquer amplement son appartenance à une communauté multilingue. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Abel Boukma, pour votre brillante intervention. Alors, vous restez connectés parce que nous allons revenir à vous tout à l'heure pour les échanges. Je reviens donc maintenant à Soro Benjamin pour son intervention, sa communication. S'il est là, s'il est prêt. Soro Benjamin. Oui, bonjour, je suis là, je vais lancer le partage. Et oui. Je pense que grâce à Dieu, cette fois, on aura permis plus facilement. Oui. Ok. Soro. Bon, ce que je vais. Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Allez-y. Ok. Ce qui se passe, c'est que quand je me connecte pour pouvoir faire le partage, j'ai du mal à retrouver le fichier pour l'instant. Donc, ce que je fais. Ah, il est là. D'accord. Donc, docteur Bagui Ouye, nous vous donnons 10 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vous dis merci et puis, excusez-moi encore aujourd'hui. Voilà, le délestage, je n'ai pas pu maîtriser ça malheureusement. Mais j'ai voulu me rattraper et puis merci au modérateur, merci au coordinateur qui a bien voulu m'introduire. Alors, donc, je suis Ouye Badi, maître de conférence de psychologie de travail et d'organisation. Je suis à l'Université de Loué. Voilà. Je vais vous présenter le résultat d'un travail parce que parallèlement à mes activités d'enseignant, je suis consultant d'entreprise. Et ce que je vais vous présenter est le résultat d'un travail d'audit que j'ai fait de la mise en place d'un système d'information des ressources humaines dans une entreprise. Alors, je vais aller rapidement, je n'ai que 10 minutes. Donc, voilà. Alors, c'est parti du fait que la mondialisation a permis vraiment un certain nombre de développements
et une progression au niveau de l'économie, hein, entre autres, a contribué à l'avènement des changements majeurs au sein des organisations de la société contemporaine. Et dans cette perspective, des actions sont mises en œuvre. Hein, des actions mises en œuvre se limitent à l'adaptation des individus à un contexte organisationnel fluctuant selon les exigences du marché de l'économie mondiale et de la concurrence. Alors, ainsi intervient la gestion des ressources humaines qui est une activité qui vient en support, d'accord, à l'activité principale, mais qui en réalité, si on veut regarder vraiment dans les, avec minutie, on peut comprendre que sans les hommes, il n'y a pas d'entreprise. Et c'est parce qu'il y a les hommes qu'on parle d'entreprise. Donc, c'est parce que les hommes sont là qu'ils arrivent à travailler au niveau des organisations. Alors, en termes de problématiques, voilà, il y a plein de travaux, dont mon travail en 2019, qui a montré que la performance organisationnelle est une résultante de la performance des travailleurs. Ainsi, parler de travail, c'est parler des travailleurs et donc du travail humain. Mais les bienfaits des innovations technologiques simplifient et facilitent le travail de l'humain. Les structures en charge des ressources humaines disposent et gèrent beaucoup d'informations liées à l'individu et collectivement au personnel. D'où l'importance de cette technologie qu'il faut apporter dans la gestion au quotidien des ressources humaines. C'est ça qui a entraîné la mise en place du système d'information des ressources humaines dans les organisations. Et cette organisation nous a beaucoup plus intéressés à travers la conduite qu'ils ont eu à faire dans ce processus. Alors, donc, comme question générale, nous voulons savoir si la conduite du changement est prise en compte dans le processus de mise en place d'un système d'information des ressources humaines au sein de l'organisation. Alors, pour aller pour affiner la réflexion, nous allons poser pas mal de questions. Entre autres, quels sont les acteurs qui ont été mis en place, qui ont été pris en compte dans la mise en place du processus? En quoi le rôle des acteurs a-t-il été prépondérant? Quel a été le rôle des services ressources humaines dans le projet? Quel impact peut avoir la mise en place du système d'information ressources humaines sur l'organisation? Quel est le sentiment du personnel par rapport à l'utilisation du SIRH? Existe-t-il un dispositif de suivi consécutif au déploiement du système d'information RH? Je précise que toutes ces questions ont été posées par rapport à la démarche en matière de changement. Il y a une démarche classique, c'est parce que je n'ai que 10 minutes que je suis parti directement aux questions. J'aurais pu faire tout un développement qui revient sur chacun de ces éléments pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce qu'on évalue à la fin un processus en termes de changement. Voilà. Alors, nous sommes partis de l'hypothèse comme quoi la conduite du changement est prise en compte dans le processus de mise en place du système d'information ressources humaines dans cette entreprise. Alors, comme objectif, nous avons voulu évaluer la conduite du changement dans la mise en place du système d'information dans une structure organisationnelle afin de dresser ces déterminants en comparaison avec les procédures de la littérature spécialisée. Alors, pour atteindre ce objectif, nous avons ciblé une entreprise qui est une entreprise à connotation internationale, c'est Togo Equipement. Et Togo Equipement aujourd'hui est un effectif de 49. Donc, nous avons considéré tout le monde, y compris les premiers responsables. Nous avons pu distribuer 40 questionnaires. Sur les 40, nous avons collecté les 40, donc 39 exploitables. Sur la base de la technique d'échantillonnage accidentel. Au départ, mais pas après, le DG a été d'accord qu'on puisse distribuer à tout le monde, donc on l'a fait. Alors, nous avons eu l'occasion de vérifier quand même, c'est-à-dire la qualité métrologique de l'outil qui nous donnait un combat de points 16, ce qui est intéressant. Et en plus du questionnaire, nous avons fait des interviews pour pouvoir mieux comprendre et apprécier le processus de mise en place du changement dans l'organisation. Nous avons étudié comme méthode d'analyse la méthode quantitative basée sur les pourcentages et la SCL qualitative. Nous avons analysé les analyses de contenu. Alors, regardez un peu les caractéristiques de l'échantillon. Majoritairement, était composé d'hommes, du tiers. En 6% de l'échantillon, à un âge compris entre 5 et 30 ans. 32% entre 35 et 40 ans. Et vous pouvez voir la suite des composants de l'échantillon. Alors, je précise, on va aller rapidement au résultat, que
Les résultats obtenus ont été analysés sur le principe de la proportionnalité selon lequel une item ne sera admise comme pertinente que lorsque le pourcentage d'avis favorable des enquêtés est supérieur à 50. Alors, c'est ce principe que nous utilisons souvent lorsque nous sommes en entreprise. Donc, je voulais vous remarquer ça de façon à ce que vous puissiez voir un peu l'analyse que nous avons eu à faire. Alors, en termes de résultats, vous allez voir que 54% ont la question posée en haut. Je ne sais pas comment l'enlever, pour que vous puissiez voir. Il y a une question qui est posée en haut. Je ne sais pas ce que je fais. Là. Ah, non. Que c'est fait ici. Je veux que vous lisez un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Moi, je n'arrive pas à les voir. Alors, il y a des questions qui ont été posées pour savoir par quel moyen de communication qui a été utilisé au niveau de l'entreprise. Alors, les réponses sont claires. L'institution a pris soin de communiquer par le mail. Et donc, à 54%, les salariés étaient informés du processus. Alors, ici, on demande à savoir si la communication a été suffisante. Ce sont 14% des effectifs, donc de ceux-là enquêtés, ont dit qu'effectivement, ils ont été suffisamment informés, d'accord, du processus. Alors, on a demandé à savoir si les meetings qui ont précédé la mise en place de ce processus ont été des meetings qui ont permis de poser des questions et d'affiner la compréhension du processus. À 51%, le personnel dit que oui, ils ont été considérés que les meetings leur ont permis d'échanger avec les décideurs. Hein? On a demandé à savoir s'ils ont adhéré au processus au départ. Oui, la réponse a été oui à 87%. Alors, on demande aujourd'hui si le système mis en place tient en compte des réalités de l'entreprise et que l'implémentation a été suivie et permettant à ce qu'on dise aujourd'hui si les salariés ont été impliqués et que le système de formation a été insuffisant. La réponse est claire. Et à 72%, ils ont été impliqués et la formation leur a permis de maîtriser l'outil qui est aujourd'hui utilisé. Alors, on a demandé à savoir si l'utilisation de l'outil leur permet aujourd'hui de faire face à leur réalité au quotidien. Hein, à 67%, ils ont dit non. Ça veut dire que quelque part, même s'ils ont été informés, on n'a pas pris en compte les attentes du personnel dans la démarche. Ça cause un petit problème. Hein. Plus loin, on demande s'il existe un système. Ils ont mis en place, comment est-ce que je peux, je ne sais pas si je peux m'aider. Hein. Je n'arrive pas moi-même à lire ce qui est en haut. Attendez. Si je peux revenir. C'est beaucoup plus intéressant que je puisse moi aussi lire. Voilà. J'espère que vous me suivez. Hein. On dit, existe-t-il un service de support et d'assistance à l'utilisation du système? Voilà, sont 4%, ils disent que oui, on a mis en place un système qui permet de faire le suivi de l'utilisation du support. Même s'ils ne sont pas très satisfaits par rapport au contenu du support, quand même, il y a la communication qui est passée. Plus loin, au tableau 9, on dit, y a-t-il des réunions pour discuter des problématiques liées à l'utilisation du système? Parce qu'on a constaté que l'utilisation n'était pas ce qu'on attendait. Et la question que nous avons voulu chercher, à laquelle on voulait trouver des réponses, c'est de savoir si les réunions ont permis de discuter des problématiques liées à l'utilisation du support. Ils ont dit à 62%, les enquêteurs ont dit non, qu'il n'y a pas de ce type de réunion. Alors, je ne vais pas déborder l'heure qui m'a été comme dire de négocier une faveur, donc j'ai essayé de revoir rapidement mes PowerPoints pour que ça puisse tenir là les 10 minutes, plus ou moins. Alors, je suis parvenu à la conclusion comme quoi, il y a eu certes le système de mise en place du système d'information RH a suivi réglementairement, d'accord, le principe de changement dans toutes ces étapes. C'est vrai, la communication est passée, mais il y a eu, en termes de psychologie, de conduite des hommes, il y a eu les aspects liés au fait qu'on n'a pas tenu compte des attentes des salariés dans la mise en place de ce système. Ce qui fait que le système existe. Malgré qu'ils ont pris des dispositions pour communiquer,
d'accord, pour faire la formation, pour faire en sorte à ce que les uns et les autres puissent maîtriser l'outil. Mais il y a eu une souffrance, c'est qu'on n'a pas tenu compte vraiment des attentes du personnel dans l'élaboration même du cas de charge, et mieux dans l'achat du logiciel qui devait prendre en compte les informations du système du personnel. Donc, certes, ça existe au niveau des machines, ça existe au niveau du personnel, les informations circulées, mais ça ne répond pas aux préoccupations du personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si le système existe, les salariés ne continuent pas à utiliser le support physique pour pouvoir se desservir vis-à-vis des services de ressources humaines et de la hiérarchie. Donc, en termes même de congés, le système permet normalement de remplir le fichier congé directement et validation sur validation, les formations reviennent comme quoi votre congé est signé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que les salariés ne s'attendaient pas à cela. Ils voulaient autre chose. Entre autres choses, c'est de pouvoir recevoir même le bulletin de paye par mail, ce que l'employeur dit qu'il ne peut pas faire. Ils ont souhaité aussi que tout ce qui a trait à l'assurance maladie, qu'ils puissent pouvoir gérer ça par le canal, parce que l'employeur a dit que non, ce ne sont pas les aspects sur lesquels ils ont négocié l'implémentation du système. Alors, donc, en conclusion, hein, avec OUI 2019, il apparaît très évident que la contribution de ces informations RH dans le développement organisationnel n'est plus à démontrer. La reconnaissance des efforts au travail devrait aussi pouvoir contribuer à la prédiction du bien-être qui est partiellement expliquée par la satisfaction des besoins psychologiques des travailleurs. Cette étude confirme le caractère essentiel de la motivation à travers l'usage des moyens techniques et technologiques. Mais à la lumière de ces constats, le présent défi consiste à mettre en place des pratiques d'accompagnement au changement centrées sur les acteurs eux-mêmes, surtout lorsqu'il s'agit d'innovation technologique dans les organisations à but lucratif. Alors, monsieur le modérateur, je crois que je suis resté dans le temps. Je voudrais vous dire merci. Toutefois, je serai disponible pour répondre aux préoccupations des uns et des autres. Je remercie tout le panel. Merci. Alors, mais c'est nous qui vous remercions, professeur. Oui. Voilà, merci pour rester en ligne pour les échanges. OK. Voilà, merci. Alors, je vois que Soro, docteur Soro Benjamin, maintenant prêt. Allô, Soro? Oui, je suis là. Voilà, je vois maintenant votre slide. OK, merci. Alors, prenons cette première minute pour nous excuser pour les défis techniques que nous avons rencontrés. Oui. Donc, je disais qu'on s'excuse pour les défis rencontrés. Notre communication porte sur l'inculturation ou contextualisation du message chrétien en pays Gouin, Burkina Faso, entre 1938 et 2022. Nous devions être accompagné dans cette communication donc avec le docteur Sulama Kamia, qui est des défis professionnels qui est à FADA actuellement. Okay. Diapo. Alors, notre plan de communication, on aura une introduction, la présentation de la problématique, les objectifs, les résultats et la conclusion. En introduction, Diapo, nous disons que l'avènement des églises chrétiennes en pays Gouin remonte à la période coloniale. Cela a donc le fait de l'église de l'Alliance chrétienne en 1938, de l'église catholique et des églises de l'Assemblée de Dieu. À partir de cette date et avec les efforts d'évangélisation, certains Siramba, donc qui sont les populations de cette zone, se sont convertis au christianisme et depuis la fin des années 70 et surtout à partir de 90, l'actuelle église catholique, l'église catholique s'est aussi donc installée et fortement installée, mais a connu ce qu'on a appelé donc l'inculturation, ce qui veut dire l'adaptation du message chrétien en pays de mission. Et chez les évangéliques, le concept qui est plutôt utilisé, c'est la contextualisation du message chrétien. Diapo. On va demander à
frère qui nous aide dans la technique de coopérer avec nous, Diapo. Donc, d'où la formulation de notre sujet comme sur l'inculturation ou contextualisation du message chrétien en Pouygouin au Burkina Faso, donc en 1938 et 2022. La première partie donc, de notre travail s'intéresse à la société Guin, et la deuxième partie s'intéresse donc à l'expansion de l'Église chrétienne en pays Zermain. Et la troisième partie donc, analyse l'inculturation ou la contextualisation du message chrétien. La problématique étant donc comment l'inculturation ou la contextualisation du message chrétien a été vécue donc, au pays Guin et quels sont les aspects de la culture Zermain qui ont été touchés par cette inculturation ou contextualisation. L'objectif principal étant de comprendre donc l'inculturation ou la contextualisation du message chrétien en pays également. Les objectifs spécifiques, donc, en premier lieu, c'est de montrer comment l'inculturation ou la contextualisation est vécue en pays Guin et étudier les domaines où cette inculturation ou contextualisation est visible. Comme résultat, donc après les investigations, je vous épargne donc de la méthodologie et tout ça, nous pouvons dire en premier lieu que l'installation des populations Siramba dans le département de Soukanyenedougou et de Nyangologo et de Banfora au Burkina Faso se situe entre le 18e et le 19e siècle. Au plan politique, les Guin constituent un peuple au pouvoir politique non centralisé. Au plan social, ils sont donc bilinéaires à dominance matrilinéaire. Au plan matrimonial, les Zermains sont caractérisés par la double union, ça veut dire une première étape qui est une étape dite provisoire et une deuxième étape du mariage qui est dite définitive. Durant celle-ci, durant donc ce processus définitif là, le port de semelle et la danse tiennent une place prépondérante. Au niveau religieux, les Siramba croient en l'existence d'un Dieu suprême invisible, comme la plupart des peuples africains. Mais dans les faits, ils adorent d'autres puissances, s'intéressent à d'autres puissances qui sont invisibles. Et la mort dans cette société, quand il y a mort, cela donne lieu donc à une série de rites, bien sûr, qui pour procéder à l'accompagnement du défunt, l'inhumation, les funérailles, et ensuite le dépôt de la pierre sur l'autel des ancêtres. C'est l'exécution de tous ces rites-là dans cette société donc qui donne... qui permet donc aux défunts d'être accueillis comme un des ancêtres. Les rites du mariage, des funérailles et bien d'autres sont exécutés au rythme donc de la musique traditionnelle zermain. Nous abordons diapo l'expansion de l'Église des églises chrétiennes en pays Zermain. L'expansion des églises chrétiennes en pays Zermain remonte donc à la période coloniale, nous l'avons déjà dit, et c'est le fait donc l'Église, l'Alliance chrétienne, et en plus de cela, nous avons l'Église catholique, comme on l'avait déjà dit, mais parlant donc de l'Église de l'Alliance chrétienne, qui est la première donc à s'établir au sein des populations Siramba à partir de 1938. Donc, c'est cette église qui était la première. Et la deuxième église a été donc créée à 10 km de Banfora, précisément à Signena, en 1939. L'expansion donc de l'église, de cette église-là à Nyangologo a été le fait du pasteur Paul Aimant, qui s'y est implanté donc en 1978. À partir de Nyangologo, ce pasteur donc Aimant a prêché l'évangile à Soukanyenedougou à partir de 1987
et c'est la naissance donc de l'Église dans cette localité avec donc son évangélisation. Diapo, dans ce village, nous disons aussi que l'avènement de l'Église, nous parlons de l'Église catholique maintenant, se situe en 1942 à travers la fondation d'un poste de mission à Nyangologo. Avec la création de la mission de Nyangologo, la localité de Banfora était une des succursales. Les missionnaires quittaient donc Nyangologo, qui est vers la frontière ivoirienne, plus proche de la frontière ivoirienne, pour aller donc célébrer les messes les dimanches. Le couronnement de toute cette œuvre apostolique a été donc la fondation de la paroisse Saint-Pierre de Banfora en 1963. Outre Banfora, les missionnaires Père Blanc, donc les missionnaires catholiques, se sont rendus à Soukanié-Dougou en 1954 en vue de diffuser le message religieux. À la faveur de l'érection donc de leur élection dans la région des Cascades en diocèse, une paroisse a été fondée à Soukanié-Dougou en 2021. Contrairement aux deux autres, l'avènement des assemblées de Dieu en Pays Gouin est récent. Et la première église a été fondée en 1977 par des fidèles chrétiens évangéliques à Banfora. Cependant, il faut donc attendre l'arrivée du révérend pasteur Jacques Dao en 1980 pour que le message religieux des Assemblées de Dieu soit diffusé au sein des populations Siramba. L'avènement de l'Église des Assemblées de Dieu à Nyangologo est récent aussi, et cela donc remonte à 1988. Et c'est en 2004 que le message religieux des Assemblées de Dieu a été diffusé dans le village de Tsuka Nyeledunye-Dougou. Le bilan donc de l'évangélisation en Pays Gouin, comme dernier diapo de cette partie, nous disons qu'il s'agit donc de l'Église évangélique ou de l'Église catholique. Les Siramba constituent donc un homme important, une communauté importante, ceux qui se sont donc convertis dans cette région. La plupart des prêtres et sœurs religieuses de la région appartiennent à cette communauté ethno-linguistique. La plupart des pasteurs évangéliques de la région des Cadres sont des Gouins. On peut donc dire que les Gouins ont été les plus réceptifs au message chrétien dans cette zone diapo. Diapo. D'accord. Maintenant, nous abordons donc l'aspect donc de l'inculturation ou la contextualisation du message chrétien. Et en essai de définition, donc, nous notons que la réalité que donne de voir donc, l'inculturation remonte au 17e siècle, mais nous n'allons pas trop nous étendre dessus. Oui, vous me recevez? Excusez-moi, hein, mais résumez vraiment vos idées. Compte tenu oui, bien sûr. Parties. Voilà, résumé. Allez-y. C'est ça. Merci. Donc, je disais que, parlant donc de l'inculturation, au niveau catholique, hein, on a dit que l'inculturation concerne particulièrement les catholiques. Et cela est le fait d'adapter le message en pays de mission. Et donc, eux, ils parlent de inculturation. Quand il s'agit donc des protestants, nous notons que quand on aborde le même fait, ils parlent donc de contextualisation. Et au niveau des évangéliques, le fait donc de la contextualisation, c'est beaucoup plus basé sur la traduction de la Bible, hein, la traduction de la Bible dans la langue locale en zerman. Et c'est ce qui a caractérisé. Donc, nous notons, pour conclure notre communication sur la question, nous dirons que l'expansion de l'Église catholique en Pays Gouin date donc de la période coloniale. Les acteurs gouins
de cette église chrétienne ont entrepris des initiatives de réappropriation du message chrétien et à travers donc l'inculturation pour l'approche catholique et la contextualisation pour les protestants avec la traduction de la Bible majoritairement. Et celle-ci a concerné pour les catholiques la question du balafon que nous n'avons pas cité donc, dans le développement. Donc le balafon sacré, le mariage gouin qui a été inculturé et pour les protestants, nous avons déjà parlé de la traduction de la Bible en langue locale. Et je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions et éclaircissements. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Soro. Vous restez en ligne, comme vous l'avez bien dit vous-même, pour les éventuelles questions et réponses qui vous seront posées lors des échanges. Merci beaucoup. Alors, je reviens maintenant à Kone Yo Marie-Lucie, si elle est prête. Kone Yo Marie-Lucie. Oui, Kone Yo, je suis là. Alors, votre support, votre visuel est maintenant prêt, vous pouvez le partager. Je l'ai envoyé sur le mail. Voilà, il est là. D'accord. Je suis Madame Kone Yo Marie-Lucie. Voilà. Politique de planification hygiène et lycéenne de Katola en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez 10 minutes pour nous résumer la substance de votre travail. Hein. Vous êtes donc diplômé d'études approfondies en sociologie de la santé à l'Université de Korogo. Alors, oui. Kone Yo Marie-Lucie, vous avez 10 minutes. Allez-y. Vous avez 10 minutes et je demande à Armand Didier Mbong Diom s'il est là de s'apprêter. Allez-y. Donc, merci beaucoup pour ça. Politique, nous avons travaillé sur la politique de planification familiale et les pratiques contraceptives des collégiennes et lycéennes de Katiola en Côte d'Ivoire. Le plan, le résumé, la biographie, une introduction, la problématique, la méthodologie et puis les résultats attendus. Diapo, s'il vous plaît. En introduction, nous avons défini la planification familiale. C'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'espacer les naissances. Ces méthodes peuvent être temporelles ou définitives. On a les méthodes hormonales, les pilules, les injectables, les implants. Les méthodes mécaniques, par exemple, les préservatifs masculins et féminins, le stérilet. Les méthodes naturelles, qui sont la méthode du calendrier, la méthode de la température, la glaire cervicale, le coït interrompu. Les méthodes définitives, comme l'ablation de l'utérus, la ligature des trompes. En fait, le thème est venu de plusieurs constats. Donc, c'est ces constats que nous allons citer dans la problématique. Donc, les constats qui fondent la recherche sur le thème de l'influence de la politique de planification familiale sur les pratiques contraceptives des adolescentes, des collégiennes et lycées en Côte d'Ivoire, particulièrement à Katiola. Le constat 1, c'est qu'au cours de l'année scolaire 2021-2022, on a recensé plus de 3000 grossesses en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Le deuxième constat, c'est que l'État de Côte d'Ivoire est de plus en plus engagé dans l'amélioration des services de planification familiale, en particulier la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Mais les jeunes filles continuent, quand même, le cursus scolaire des jeunes filles continue à être bouleversé par les grossesses. Le troisième constat, c'est que la planification familiale fait partie aujourd'hui du paquet minimum d'activité dans les centres de santé. Mais force est de constater que malgré la politique zéro grossesse en milieu scolaire lancée depuis 2013, l'utilisation des centres de santé en matière de contraception reste faible. Celles qui sont en union, le taux est d'environ 22% en 2019. Et celles qui ne sont pas mariées et sexuellement actives, on a 48%. Parmi ces chiffres-là, on a le chiffre qui concerne les filles de 18 à 24 ans qui est de 60%. Le quatrième constat, c'est qu'il y a la gratuité de la planification familiale que l'État a mis
pour les collégiennes et les lycéennes dans les SSU SAGE. Mais cela ne permet pas une réduction significative des grossesses. En 2020-2021, on avait 26 cas pour le lycée Gaston Ouassénan, pour 80 cas dans la région du Humboldt. Notre objectif pour cette étude est d'analyser les influences des politiques de planification familiale sur les pratiques contraceptives des collégiennes et des lycéennes à Katioula. Pour mener notre recherche, nous allons utiliser deux méthodes. La méthode structuraliste contraceptiviste de Pierre Bourdieu et puis la méthode compréhensive de Max Weber. En ce qui concerne la méthode structuraliste constructiviste de Pierre Bourdieu, l'objectif est d'identifier les structures étatiques qui sont impliquées dans la gestion des politiques de planification. Et à partir de cette méthode, d'évaluer la marge de liberté dont dispose l'agent pour reconstruire la réalité sociale à partir des structures qui s'en occupent. Quant à la méthode compréhensive, il va s'agir de donner une explication au phénomène des pratiques contraceptives des collégiennes et lycéennes. Car ici, il est nécessaire de comprendre si les projets mis en place répondent aux attentes et aux besoins des adolescentes. Les résultats que nous attendons de cette recherche, les effets des politiques de planification familiale et leurs enjeux sociopolitiques et sanitaires sont évalués. Les connaissances, attitudes et pratiques des collégiennes et lycéennes de Katioula en matière de pratiques contraceptives sont décrites. L'accès économique, géographique et culturel aux services de santé et de la reproduction explique les chiffres alarmants du domaine de la santé et de la reproduction. L'impact des politiques de planification familiale sur les pratiques contraceptives des adolescents de la région du Humboldt est mesuré. Ok, merci de votre aimable attention. Oh, merci beaucoup, Madame Koneyo, Marie-Lucie. Vous avez été vraiment brève et succincte. Restez connectés. D'accord. Pour les échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je reviens à Armand Didier Mbong-Diom, s'il est là. Armand Didier Mbong-Diom,